Les titres de ce jeudi matin, ce sera la troisième commune de la métropole bordelaise. Pessac va armer sa police municipale, une décision qui fait suite à l'augmentation des violences et de la délinquance ces dernières semaines. Alain Rousset en visite dans les Landes ce jeudi. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine sera aux côtés des éleveurs durement touchés par la grippe aviaire. Près de 170 foyers de contamination ont été détectés dans le département. Recycler son sapin pour lutter contre l'érosion dunaire. Plusieurs communes du littoral se prêtent au jeu depuis quelques années. Hier, c'est à la Thèse de Buge sur le bassin d'Arcachon que des sapins ont été récoltés pour sauver la dune. Mais d'abord, ce rebondissement inattendu dans le dossier de l'accident de car de Puisseguin. Le parquet de Libourne relance l'affaire et réclame plusieurs mises en examen, alors que les avocats des familles des victimes avaient reçu une notification de fin d'instruction en début d'année 2020. Cet accident entre un poids lourd et un autocar qui transportait des personnes âgées du Libournais avait coûté la vie à 43 personnes. C'était en 2015. Les réquisitions du procureur visent plusieurs sociétés et personnes physiques pour homicide et blessures involontaires. Après Martignas-sur-Jal et Saint-Médard-en-Jal, Pessac sera la prochaine commune de la métropole bordelaise à armer sa police municipale. Une décision prise suite à la dégradation de la situation dans le quartier Arago-Châtaigneraie, avec une série de violences et d'actes de vandalisme depuis le 31 décembre. L'annonce a été faite par le maire à l'issue du comité local de surveillance et de prévention de la délinquance qui s'est tenu ce mercredi soir. Des mesures de prévention accompagneront une sécurité renforcée. Écoutez. À travers la création d'une brigade de police municipale spéciale sur la Châtaigneraie-Arago sous forme d'îlotage. Donc ce sont 6 policiers municipaux qui vont être embauchés. Le lancement du recrutement est d'ores et déjà organisé. Et ils seront localisés sur un local que Domo France mettra à notre disposition au niveau du centre commercial d'Arago. Donc ça, c'est le premier point. Et nous allons donc relancer et renforcer la vidéoprotection, en lien d'ailleurs avec Domo France, avec l'aide de l'État, puisque l'État nous propose des financements complémentaires, et dans le cadre aussi de la mise en place d'un centre de supervision urbain, c'est-à-dire une sorte de salle de commandement dans laquelle l'ensemble des images sont visionnées pour permettre une coordination des interventions sur le terrain et une surveillance des incivilités en permanence. Les policiers municipaux seront armés désormais ? Les policiers municipaux seront armés désormais. C'est une décision que j'ai prise également pour pouvoir contribuer à leur sécurité à la suite des atteintes dont ils étaient directement... ils étaient l'objet de tirs, de mortiers et de cocktails Molotov le soir du 31 décembre. Donc je pense que désormais, il faut reconnaître les nouvelles conditions d'exercice qu'ils ont et reconnaître leur responsabilité parce que ce sont des agents responsables, formés et qui sont tout à fait en capacité de pouvoir détenir et des armes à feu sans pour autant faire un usage immodéré. Voilà, et de son côté, l'État promet une présence policière renforcée à Pessac grâce à la réorganisation depuis le 1er janvier de la police nationale bordelaise en 3 zones, dont la zone ouest basée à Mérignac. Côté prévention, en plus de la vidéosurveillance, elle financera à hauteur de 20 000 euros par contrat l'embauche de 2 médiateurs supplémentaires, ce qui fera au total 9 médiateurs à Pessac. Dans l'actualité également, Alain Rousset se déplace ce jeudi dans les Landes pour rencontrer les acteurs de la filière avicole touchée par l'épizootie de grippe aviaire. Plus de 170 foyers y ont été recensés. 5 départements en France sont pour l'heure touchés et 600 000 canards ont été abattus. Une épizootie difficile à endiguer et dont les solutions ne font pas l'unanimité. Écoutez. Il y aura sûrement, ça avait été pris lors de la précédente crise, notamment sur le contrôle des transports, sur la limitation des bancs de canards, sur la protection. Tout ça doit être travaillé, mais nous sommes sur un couloir migratoire, notamment des oiseaux. Et puis, il y a, par exemple, je crois que c'est dans le marais d'Orx, vous avez des milliers de grues aussi qui sont... donc on a des problèmes. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. Tout le monde n'a pas la même opinion. C'est pour ça que je me rends demain dans les Landes. Et, de toute façon, la région est mobilisée par ses crédits et par ses équipes sur la grippe aviaire. Alain Rousset, qui présentait hier ses vœux à la presse, il s'est aussi longuement exprimé sur la situation du monde de la culture à l'arrêt. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, le président du Conseil régional a indiqué vouloir mettre en place une expérimentation en Nouvelle-Aquitaine pour permettre une réouverture des musées et théâtres. Il a promis d'en faire la demande au gouvernement dans les prochains jours. Le gouvernement qui doit justement s'exprimer à 18h aujourd'hui, de nouvelles restrictions pour lutter contre le Covid-19 devraient être annoncées par Jean Castex ce soir. Le nombre de nouveaux cas
reste élevé en France avec 23 000 nouvelles contaminations hier. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est en visite à Bordeaux ce jeudi. Il sera ce soir l'invité de Jefferson Desport juste après votre journal. Déserté depuis 2009, l'ancien site de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Libourne est enfin sur la voie de la reconversion. À la tête du projet soutenu par la mairie, le promoteur Michel Oyon, connu entre autres pour la création du Grand Hôtel de Bordeaux, le promoteur qui ne cache pas ses ambitions et souhaite donner vie au plus grand projet œnotouristique d'Europe, un projet qui comprend la création du premier centre commercial de vin au monde où près de 150 marchands présenteront leur grand cru. On écoute. Marchand est un vocable qui va englober à la fois des propriétaires, à la fois des grands négociants, à la fois des cavistes, si vous voulez, de façon à être la plus large offre mondiale, la plus grande cave mondiale. Ça sera le grenier du vin mondial. Et à côté de ça, vous aurez, si vous voulez, toute une offre de mode très forte qui va être aussi importante que la vente de vin, mode, équipement de la personne, dans le luxe. À prix très accessible. Donc le principe, c'est d'avoir des collections qui viennent du monde entier, qui vont être vendues là par des plus grands fabricants mondiaux du luxe, dont beaucoup de grands groupes français, italiens notamment. Voilà, ça c'est principalement, ça sera les deux piliers forts de cet établissement. Des sapins pour nos dunes, c'est le nom de l'opération qui s'est déroulée hier à la plage de la Salie, près de la dune du Pila, organisée par la mairie de la Teste de Buch. Les sapins de Noël des particuliers ont été collectés pour venir renforcer ces protections naturelles. Particularité cette année, pour éviter les rassemblements du public, ce sont les élus du conseil municipal des jeunes qui se sont chargés de ce geste citoyen. Reportage de Jules Bedeau. Ils étaient neuf enfants du conseil municipal des jeunes de la Teste-sur-Buch à participer à l'opération des sapins pour nos dunes. Une opération qui consiste à récupérer vos sapins pour lutter contre l'érosion dunaire. Nous avons mis notamment certaines bennes sur la place Gambetta à la Teste face à la mairie et on s'apercevait tous les jours que les gens venaient. Donc il y avait une réflexion et puis il y avait une sensibilisation à ce côté environnemental. Ça permettait aussi de ne pas jeter les sapins n'importe où. Cette année, 12 bennes ont été remplies contre 4 en 2020 et ce sont les enfants qui se sont chargés d'une partie de la main d'œuvre. Leur mission est supervisée par l'Office national des forêts. Les enfants doivent répartir les sapins sur les dunes pour que le sable les recouvre. On a placé des sapins en ligne pour protéger les dunes. Parce que des fois, il y a des tempêtes. Et avec le vent, ça fait tomber le sable. Des fois, il y a des sapins plus gros que les autres. Et les plus gros sapins sont souvent très lourds. En fait, la dune, on la modèle pour qu'elle joue son rôle de protection et de protection... effectivement de la forêt et de l'activité humaine à l'arrière, mais aussi des protections, des équipements qui sont nécessaires à l'accueil du tourisme l'été. Et la leçon semble retenue pour Maëlle, qui souligne aussi l'impact de l'érosion sur l'activité humaine. À l'intérieur des terres, comme la dune avance, les maisons commencent à se faire ensevelir. Et du coup, comme on met des sapins, ça ralentit la dune. Avec cette opération, 8 classes primaires de la commune auront été sensibilisés aux dégâts causés par l'érosion dunaire. Et puis cet appel à témoins lancé par la police à Bordeaux la semaine dernière. Un accident mortel est survenu entre un cycliste et un camion, boulevard Antoine Gauthier. Si vous avez des informations susceptibles de faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter le commissariat. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.